pour expliquer un sport, c'est le défi lancé aux plus grands athlètes de la planète. Mais ils n'étaient pas dispo. Alors on va faire avec eux. Hein? Ah, baba. Canoë, kayak. Ah, pas facile de voir la différence, hein? Le canoë a été inventé par les Amérindiens. Il se pratique avec une pagaie simple et à genoux. Enfin, quand on a des genoux. Au kayak, en revanche, la pagaie est double, symétrique, comme le mot kayak. C'est une invention des Inuits qui, contrairement au canoë, se pratique assis. Démonstration. Merci, c'est gentil d'avoir essayé. Dans ces deux embarcations, on peut soit faire de la course en ligne sur une eau plate et calme, soit du slalom sur un parcours d'eau vive. J'ai dit d'eau vive. Il faut alors franchir le plus vite possible une vingtaine de portes. Il y en a des vertes qu'il faut passer dans le sens du courant. Et oui, c'est 2 secondes de pénalité si on touche un piquet. Et attention, il y a aussi des portes rouges qu'il faut passer en remontant le courant. Allez, un petit effort. Non ? Dommage. Rater une porte, c'est 50 secondes de pénalité. Oups, plus de courant. Ah, il va le faire, hein ? Attention quand même, hein. Tomber de son embarcation, c'est... éliminatoire.